Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur Fae Farm. On est sur le 9e, il me semble. Ça commence à être plutôt pas mal. Donc là, déjà, je vais ramasser mes petites plantations. On va aller ranger des choses parce que mon sac à dos est complètement plein. En même temps, quand on voit tout ce que j'ai dedans, on se demande pas pourquoi. Hein. Donc, on va ranger déjà tout ça. Ça, on va le ranger aussi. Donc, essayez de bien rush au niveau des insectes et tout ça. Parce que ça va beaucoup vous aider. Et surtout, essayez de ne pas les vendre. C'est très important. Ça va vous aider, vous verrez. Donc là, on a eu des betteraves. Trop bien. Poissons. Ça, on range aussi. Ça, on range. Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, on va ranger. Les murs, on les range. Hop, le thé vert aussi. Les graines, je crois que j'en avais pris pour en mettre. Donc, on va les mettre. Et après, ouais, ça peut peut-être servir après. Non, ça, on va peut-être le garder en vrai. On va peut-être garder. Hop. Et ça. Voilà. Donc là, on va ramasser ça. Donc c'est cool, on a déjà eu des petites betteraves, donc ça c'est plutôt bien. Là ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas besoin d'arroser, parce que quand il pleut, il n'y a pas besoin d'arroser. Donc ça c'est pareil, c'est très très cool. On va mettre toutes les graines qui nous restent en notre possession. Comme ça, eh ben, on est tout bon. Est-ce qu'il me reste d'autres graines? Non, après c'est des fleurs et tout ça, ok. Donc on va peut-être aller mettre les fleurs. On va ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Ici, je vois que j'ai des choses à ramasser aussi. Dès que je peux, je fais des petits trucs. Hop, ici, on va mettre des petites fleurs. Hop. Voilà. Quand il pleut, j'aime bien tout planter parce que comme ça, ça évite d'arroser et on est bon. Du coup, dans notre sac à dos, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ouais, et ben on va ranger. Donc là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis des abeilles. Donc comme ça, on peut récupérer un peu de miel. C'est cool ça, non? Et on va ranger tout ça parce qu'on va aller à la mine. Parce qu'il me reste à récupérer du topaz. Parce que pour la quête, vous savez, avec la fée, il me fallait des topaz polis et j'en ai pas. Donc j'ai juste besoin de ça. Tout le reste, on l'a. Ça, je range. Ça, je range. Et ça, je range. J'en aurais pas besoin de tout ça. Ça aussi. Tout ce que j'ai pas besoin, hop, on range. Ici, j'ai vu que j'avais encore des graines. Hop. Pourquoi elles se mettent pas? Plan. Ah, ça en était. Ah oui, donc en fait, j'en ai pas besoin de ça. Donc oui, en fait, on va le ranger. Hop, j'en ai pas besoin. Et les fleurs, pareil. Ok, donc on est bon. Et du coup, je voulais juste remettre ici ça. Et voilà, comme ça, on est bon. On va récupérer du coup ce que j'avais fait polir. Donc hop, ça c'est bon, on ira lui donner. Ici, j'avais fait des petites choses... Parce que après il va falloir que je commence à récupérer des choses. Hein, parce que il me manque un truc à tisser. Et ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc ça, il faudra vraiment que je le fasse. Et je voulais juste aller voir mes petits animaux vite fait. Et on va aller du coup à la mine. On va regarder aussi un petit peu où j'en suis au niveau de mes quêtes. Coucou toi. Hop, toi aussi. Petit câlin. Hop. Voilà. On récupère. Je ne l'ai pas brossé. Hein. Je crois que je le brosse aussi. Hein. C'est vrai que en ce moment, je suis un peu débordée. Du coup, hop, ça on le fait. On récupère l'œuf. On va leur donner à manger à ces pauvres petits animaux. Voilà. Et on va monter juste en haut. Donner à l'autre aussi, aux autres. Et puis, on est tout bon. On est tout bon. Hop. Ah non, elle va pas commencer à faire la tête, hein. Hop, on va aller faire ça pour eux aussi. Comme ça, ben, je récupère des choses aussi. Ah, il y a besoin
de s'en occuper. Hop, on va le tondre. Allez, viens là. C'est fait. Toi, il faut que je te donne du lait, que je récupère le lait. Hop, et je vais te donner à manger. Hop, voilà. Parfait. Et bon, on est tout bon. Et let's go maintenant pour les mines. Et on va regarder juste au niveau des... Oh, la tête qu'elle fait, elle m'énerve quand elle est comme ça. Du coup, au niveau des quêtes, atteindre un indice de confort d'au moins 5. Ah oui, j'ai ça à faire. Retournez voir Nessa pour obtenir votre récompense. On va peut-être aller voir Nessa déjà. Ouais, on va faire ça. On va aller au port et on va aller voir Nessa. Hop! Et ici, j'irai là parce qu'il y a besoin de faire une quête. Ok, bah c'est parti. Allez, let's go. Et après, on va dans les mines parce que j'ai besoin de miner. Il faut que j'avance mes petites quêtes. Ça va, toi? Ah, j'ai une quête. Remettre thé au lait à maïs. Ok. Eh ben, on lui donnera un thé au lait quand on aura 5 minutes. Et on va aller voir Nessa qui se trouve être juste là. Ah, elle doit être sur le ponton. Ouais, c'est ça. Non, pas discussion. À chaque fois, je la fais. C'est terminé. Maintenant, c'est attrape des poissons dans la mer. Je l'ai fait. Les truites arc-en-ciel et les sardines sont difficiles à trouver. Attrape un poisson rare. Ok, donc je serai là. À attrape un poisson rare. Ça marche. Qui on a ici? Oh, coucou toi! Ah, j'ai une quête pour lui. Ok. Quête romantique? Je crois que j'ai pris froid. Tu n'aurais pas quelque chose pour me réchauffer? Bah lui aussi veut du thé au lait. Ouais, bah je vais en récupérer pour moi aussi parce que vu la tête que j'ai, franchement, on n'est pas sorti. Allez, on va leur faire un petit thé au lait et puis on part dans les mines. Thé au lait, est-ce que j'ai... Ouais, si, normalement j'ai tout ce qu'il faut pour faire du thé au lait, je pense. J'espère que oui. Mais ça passe trop vite par contre, hein. On est déjà à 7 minutes de vidéo. Oh, ça passe trop vite. Thé au lait. Je vais en faire deux. Voilà. Et moi, je vais me faire un thé vert. Allez, hop. Et on va leur donner tout ça. Du coup, c'est bon. On va lui donner son petit thé au lait. Comme ça, il sera content. Hop. Tiens. Prends ton petit thé au lait. Quoi, il veut de la citrine brute? Mais non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'est du thé au lait. Donné. Et après, il veut... Ah, mais il abuse! Il abuse, maintenant il veut de la citrine brute. Il me demande trop de choses, lui, hein. Oh! Du coup, on va lui donner, hein, sa citrine, hein. Ah là là, je t'assure. Il me demande trop de choses, lui. Quel plaisir de te voir, ouais, c'est ça. Il me dit plus maintenant là que je ressemble à rien là avec mes vêtements sales. Non mais. C'est lui qui me disait ça il n'y a pas longtemps, hein. Un frisson dans l'air. Un peu de pluie ne fait de mal à personne. Ouais. Ben moi j'aime pas trop ça. Bonté divine, c'est pour moi? Ben oui, c'est pour toi. Pour qui d'autre, enfin? Voyons. Ah là là! Tu m'as beaucoup inspirée, j'ai pas mal écrit ces derniers temps. Oh, c'est mignon! Oh, ça, c'est trop chou par contre! Les activités sont rares pour ceux qui cherchent à explorer les horizons intellectuels à Azoria. Oh ouais, bon. Il a quand même mérité sa petite citrine. Il s'est un petit peu rattrapé, mais bon, quand même, hein, j'ai pas oublié ce qu'il m'a dit, hein. C'était pas très sympa. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Dit que je suis parano, mais je pense que les réserves de nourriture sont une bonne idée au cas où. Ouais. Cire d'abeille, elle a besoin. On verra ça après. On va aller dans les mines, hein. J'espère qu'on aura un petit peu de temps.
Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Oh, lui, là, avec son cœur. Non, mais le pauvre. Le pauvre. Viens ici, toi, hein. Oh. Il partait où, comme ça? Allez, on va aller vite fait faire ça. Il me faut juste du topaz, de toute façon. Et puis après, on le mettra à polir. Et on ira donner tout ça. Et on va voir ce qu'on va gagner, hein. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Non mais ça va, en vrai on a quand même pas mal avancé. En 10 minutes là de jeu, on a quand même pas mal avancé sur les choses à faire. Donc je suis très contente. On va aller au niveau où il y a des topazes. Donc c'est vraiment dans les... Ah ouais, c'est là. Bon, on va aller là. Et je vais mettre les sauts, je crois que j'en ai. Allez, c'est parti. Bon bah, tant que j'y suis... Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Tant que j'y suis... Ah, oh, commence pas à m'attaquer, toi, enfin. Je vais récupérer ça, tant qu'à y être. Par contre, il faut pas que je perde trop de temps. Non, 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 laisse-moi tranquille. Non. Purée. Non, 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 non. Bon, allez, je pars. En vrai, je... Mais purée, mais laissez-moi tranquille, c'est pas possible, ça. Comment il m'attaque? J'ai même pas le temps de rien faire. C'est incroyable. Non, on va prendre que le topaz, hein, parce que sinon... Saut en fer gravé. Ah non, moi, j'ai pas ce qu'il faut. Purée. Ça, je récupère. Putain, laisse-moi tranquille. Aïe, aïe, aïe. Je crois que j'en avais pas besoin de plus. Bon, de toute façon, je suis là. Merci. C'est adorable. Toi, tu vas voir. Toi, déjà, hop, tac. Je vais les tuer, hein. C'est bon, ils m'ont saoulé. Viens ici. Ils m'ont saoulé, là. Oh, en plus, il m'a donné de la potion. C'est pas mal, ça. Tiens, tiens, et tiens. Toi, tu m'as gonflé. Et voilà. Hop. On va aller voir si je peux pas récupérer d'autres topazes quand même. Ça serait peut-être bien. On va essayer, voir si je peux ouvrir la porte. Dommage, j'ai pas de saut. C'est chiant. Ah, c'est bon. Allez, on y va. C'est pénible ça par contre. Bon, je vais en prendre que quelques-uns et puis on va aller faire notre truc. Non, pas du tout, il est là derrière. Voilà. On va juste faire ça et on va partir. Hein. Hop. Tant qu'à être là, j'ai vraiment envie de prendre ce que j'ai besoin. Lui, je vais juste le tuer et on part. C'est bon, on part. Parce que j'aimerais juste avoir le temps de faire les topazes polis. Et là, si je traîne trop, j'aurai pas le temps. Donc, allez, on y va, on part. Bim. Hop. On y va. Ouais. Ça, c'est quand même bien, bien pratique. Hein. Allez, 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 on perd pas de temps. Il est 10h33, donc là, il va vraiment pas falloir traîner si on veut les avoir pour demain et qu'on puisse aller tout de suite voir la fée. Allez, hop, on y va. Let's go, c'est parti. Oh, des lucioles, peut-être que je les prendrai si j'ai le temps. Allez, les topazes. On en fait 10. Et voilà, c'est bon. Lucioles. C'est bon, de toute façon, j'ai ce qu'il faut. Donc si c'est... Si je dois rentrer, c'est pas grave. Hop, j'ai ce qu'il faut. Hop, on y va. Et pour demain, du coup, on aura tout. Et ça, franchement, c'est cool. C'est très, très cool. Du coup, nouvelle journée. Let's go. J'ai un petit message de mon crush. Je t'invite cordialement à venir prendre le thé. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais apprendre à mieux te connaître. Retrouvons-nous à la taverne. Oh! Bah, va pas falloir que je traîne, du coup, dans les choses que j'ai à faire. Parce que là, j'ai pas mal de choses à faire, mon garçon. Donc, je viendrai te voir après. Là, c'est vraiment... Il faut que j'aille voir la fée en priorité. Ça, je récupère tout ce que j'ai mis parce que ça va me servir pour faire un truc à tisser. Et ça, je récupère aussi. Hop. Hop, c'est bon, j'ai tout récupéré. Ici, j'avais mis quelque chose ici. Et c'était quoi? C'était saut en fer gravé.
Ah, je l'ai pas. Ah si, je l'ai. Ah, mais il faut du topaze, ok. Je vais juste regarder si je peux faire la machine à tisser. Toujours pas. Attends, elle est où? Non. Attendez. Ah, c'est peut-être que à l'intérieur. Ah non, elle est là. Si, c'est bon. Allez, let's go. On a mis une table à tisser. Ça, c'est cool. Et est-ce que je peux faire des choses? Oui, parfait. Eh ben, on va faire ça. On va en faire le max. Allez, travaille bien. Du coup, nous, on va directement aller voir la fée, puisque normalement, on a tout ce qu'elle nous a demandé. Ici. Allez, c'est parti. Normalement, attendez, on va quand même vérifier. Mais on a tout, je crois. Citrine poly, egg marine, olivine, topaz. Ouais, si c'est bon. Et après, il faut que j'atteigne le niveau 5. Et après, retourner vers Nashmal. Ok, ça marche. Eh ben, on va faire tout ça. Ça, on va être bien occupé comme ça. Donc là, il faut que je monte. Par là. Non, pas par là. C'est par là, non? Oh, je sais plus. Si, c'est bon, je crois que je peux monter par là. Et aller comme ça. Si, c'est ça. Quand c'est brumeux comme ça, on a du mal à... à trouver. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, j'espère qu'elle va me donner quelque chose d'intéressant. Hein. Allez, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Elle est trop belle, n'empêche. Je la trouve magnifique. Alors, Azoria est un endroit très spécial. Je me considère chanceuse d'avoir participé à sa fondation. Allez, la quête. Apporte-moi les ingrédients magiques et ensuite je pourrai lancer un sort pour ouvrir la porte féerique. Bah, donner. On va tout donner. Hop. Donner. 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 Et donner. Yeah. Merci, si légende. J'ignore ce qui t'a poussé à venir sur notre petite île, mais je t'en suis vraiment reconnaissante. Une fois la porte féerique ouverte, le miasme nous attendra encore de l'autre côté. Tu devras donc faire preuve de la plus grande prudence. Ce sera dangereux, mais tu ne seras pas seule. Deux braves elfes pourront te guider de l'autre côté. Oh, trop bien! Sois prudente, chère Silégende. Tu trouveras une personne alliée de l'autre côté. Elle te montrera le chemin. Fais attention à toi, chère Silégende. Ouvrir la porte féerique avec la mère. J'ai pas eu le temps de lire. Purée, j'ai été trop rapide. J'aime pas quand je fais ça. Ouvrir la porte féerique demain avec la mère Flamme Nuit. Et entre dans le royaume féerique. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bah, de toute façon, on fera ça dans le prochain épisode. Je suis trop contente. Bah, là, déjà, on va aller voir notre petit amoureux transi. Et j'espère que c'est lui qui va venir avec nous. Ça sera cool. Allez, let's go. Et comme ça, on va finir ce petit let's play qui était bien sympathique encore. On a encore bien avancé. Donc, je suis trop contente. Et enfin, on va pouvoir passer de l'autre côté. Et ça, franchement, j'ai trop hâte de passer de l'autre côté. Allez, hop, on y va. On va aller le voir. J'espère que c'est lui quand même qui viendra avec moi. Let's go. Il est dans la taverne, ils ont dit. Donc, c'est juste là, normalement. Je suis partie trop loin ou quoi? Quoi? Attendez. Il est où, là? Ah, il faut que je monte. Il est en haut. D'accord. Coucou toi. Tu m'as beaucoup inspirée. J'ai pas mal écrit ces derniers temps. Ouais, ok, arrête de dire la même chose. Allez au rendez-vous. Yes. Oh, c'est trop trippant quand même qu'il y a ça dans le jeu. Ah, si les gens pile à temps pour l'heure du thé. C'est trop mimes. J'ai fait une petite capture quand même. Bon, avec quelques minutes de retard, mais je te pardonne. Oh, c'est bon? Je ne m'attendais pas à trouver du thé aux fruits des bois frais dans cette humble taverne. Ça surpasse ces vieux trucs séchés.
Tu ne sens pas la différence ? Je vois, mais... Non, ne t'en fais pas. Bref, reprenons. Je souhaiterais te courtiser si les gens... te courtiser ? Tu as toutes les qualités nécessaires. On m'a dit que tu servais d'ambassadrice entre les royaumes humains et féeriques. Eh bien voilà qui est impressionnant. Bon, à part ça, es-tu au courant de la renommée scolastique de la Mercitanie ? Non, pas étonnant. J'imagine que tu as au moins étudié les textes alchimiques de la République de Sagno. Tu plaisantes, j'espère ? Non ? Ah, je ne pensais pas que la situation serait aussi grave. Et arrête de gigoter. Qui t'a appris les bonnes manières ? Ça ne t'intéresse pas, gars, je n'en reviens pas. Ok, on est dans un enemy to lovers. On est dans un enemy to lovers, mais ça va, ça me va. Comment les gens peuvent-ils t'admirer autant alors que tu n'as aucune culture ? Mais franchement, il abuse ! Ou même de bonne manière, mais il est là pour me courtiser ou pas ? Attends, ce serait à cause de quelque chose que j'ai dit ? Bah oui, t'es un petit peu méchant depuis tout à l'heure, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Mais si c'est ça le rendez-vous, franchement, je m'attendais à mieux, hein. On est dans un enemy to lover, c'est un truc de ouf. Il arrête pas de me clash. Je suis choquée. Je dois admettre que j'avais quelques doutes, mais cette petite ville me plaît de plus en plus et toi aussi. Ouais, bah ça, fallait peut-être commencer par me le dire tout à l'heure. Mon petit, parce que là, tu débloques totalement. J'ai un grand repas à base de poisson à cuisiner, mais je n'ai pas eu le temps d'aller pêcher. Ah bah, je croyais que j'étais si nulle que ça. Alors, remettre sardine à Nashmaal. Ouais. C'est bien parce que c'est toi, hein. Allez, du coup, on va lui donner ce qu'il m'a demandé. J'ai tout récupéré. Il voulait une sardine. Eh ben, voilà ta petite sardine. Donnée. Et je crois qu'il voulait autre chose. Ah si, c'est ça. C'est là. Je devrais prendre le temps de visiter le royaume féerique pour saluer la mère. Oui, exactement, tu devrais. Voilà, je t'ai donné tout ce qu'il fallait. Et nous, on va s'arrêter là pour ce nouveau Let's Play. Je sais, vous avez qu'une envie, et moi aussi, c'est de passer dans l'autre monde. Mais je pense que c'est cool de le faire dans une prochaine vidéo parce qu'on est déjà à 22 minutes. Et c'est déjà pas mal. Donc du coup, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour aller dans l'autre monde. J'ai trop hâte. En tout cas, on n'hésite pas à liker, on n'hésite pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo chill, cozy et enemy to lovers avec mon crush. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !